à peu près sous 5 cm. Et l'eau arrive actuellement au niveau du chemin des lacets. Père Horacio Brito, vous êtes le recteur du sanctuaire de Lourdes. Nous sommes à la grotte de Lourdes en ce mardi matin 18 juin. Il est 10h20, 10h30 et la grotte est fermée, l'accès est fermé. Derrière nous, le Gave commence à déborder dans l'espace grotte. Comment s'annonce la suite des événements ? Nous avons déjà acquis une certaine expérience lors des inondations du mois d'octobre. Je crois que la différence par rapport à ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est le fait que maintenant, il y a des pèlerins. Donc, nous essayons par tous les moyens, même si on ne peut pas se rapprocher de la grotte à quelques mètres, du moins de l'autre côté du Gave pour prier. Philippe Courtade, vous êtes l'adjoint au service sécurité du sanctuaire. Alors, techniquement, concrètement, quelles mesures avez-vous prises pour assurer la sécurité des pèlerins ? Donc, depuis dimanche, voire même samedi soir, nous avons mis une cellule en place qui rassemble l'ensemble des chefs de service, techniques, administratifs, de manière à pouvoir anticiper au mieux cette montée des eaux, même si on ne peut pas éviter les dégâts. Donc, on a mis en protection l'ensemble des installations électriques au fur et à mesure. Nous avons également fermé tous les points bas par rapport au niveau du Gave actuel, c'est-à-dire à savoir la basilique Saint-Pilice, partout où le public serait susceptible d'être impacté. Donc, comme on peut le voir, nous avons mis en sécurité également la sacristie de la grotte, où nous avons d'énormes dégâts, où on a posé des pailles planches, système de pailles planches étanches. On ne va pas éviter la rentrée d'eau, mais au moins on va en limiter l'impact. Et ça, c'est le retour d'expérience, malheureusement, que nous avons eu depuis la crue d'octobre dernier.